Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un jeu de ma collection de tarot oracle. Donc c'est un tout nouveau jeu qui m'a été offert par mon amie Maëla. C'est une personne que j'ai rencontrée grâce à Instagram et que j'apprécie tout particulièrement. Elle vient de Bretagne, donc elle a cherché en fait un oracle qui faisait un clin d'œil à sa région. Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à l'oracle de l'arbre celtique. Donc je suis super contente de son choix parce que tout ce qui touche à la nature, aux animaux, donc là les arbres, ça me parle tout particulièrement. Je trouve que l'image est vraiment magnifique. Donc voilà un petit peu le boîtier. Il vient de chez les éditions Pré Daniel. Il est au prix de 24,90€. Il est composé de 25 cartes et du livret explicatif. Donc il y a quand même beaucoup moins de cartes que dans les autres oracles. Mais c'est pas grave, je le trouve super quand même. Je vais vous lire la petite introduction. Ça nous dit « Les arbres sont des êtres de sagesse et les gardiens du savoir. » Les Celtes disaient même que toute la sagesse de l'univers leur était confiée. Sans eux, la vie est impossible. Ils sont les poumons de la terre. Fondée sur l'ancienne sagesse celtique qui vénérait les arbres en tant qu'êtres vivants et spirituels, cet oracle de 25 cartes magnifiquement illustrées vous permettra d'interagir avec eux. Prenez le temps de vous connecter aux arbres et de leur exprimer votre reconnaissance et ils s'adresseront à vous. Ils vous rappelleront comment vivre une relation juste avec notre environnement et vous aideront à vivre en harmonie avec notre terre-mère qui nous accueille. Grâce à l'oracle de l'arbre celtique, vous découvrirez que les arbres sont impatients de vous offrir leur soutien et de vous prodiguer leurs conseils, mais également de vous stimuler et de vous inspirer. Ça donne envie. Donc le jeu de cartes, il est livré avec le magnifique pochon doré. Moi j'aime beaucoup, ça compte beaucoup pour moi qu'il y ait ce petit pochon. Quand il n'y est pas, je suis toujours déçue. Les cartes, on va les découvrir juste après. Je voudrais juste vous montrer un petit peu le livret. Donc c'est la même illustration que sur la boîte. Je ne vous ai pas dit, mais le jeu, il est de Charline Hidalgo et les illustrations de Ginny Menton. Je suis désolée si j'écorche les noms. Alors, je vous lirai bien la petite introduction. J'aime bien vous partager, que ce soit dans les livres ou dans les livres de jeux de cartes, en fait, les petits textes vraiment que je trouve parlants et inspirants. J'espère que du coup, ça ne vous saoule pas trop. Alors, les arbres sont nos maîtres. Ils sont les gardiens de la sagesse et du savoir qui peuvent nous aider à nous épanouir et à survivre. Sans eux, la vie est impossible. Ils sont les poumons de la planète. Ils nous fournissent l'oxygène que nous respirons et purifient l'air en éliminant ses toxines. Ils facilitent le cycle de la pluie et contribuent à nous alimenter en eau potable, protègent la terre de la désertification et nous nourrissent, ainsi que la flore et la faune avec lesquelles nous partageons notre monde. Nous qui sommes responsables de cette planète magnifique, nous devons prendre soin des arbres qui sont nos proches et les apprécier. Grâce à notre amour, notre gratitude et le lien qui nous unit, nous participons à la survie de ces êtres de sagesse. Ce jeu basé sur la sagesse ancienne de l'alphabet celtique des arbres est un outil qui permet d'interagir avec eux en tant qu'êtres vivants et spirituels. Si vous prenez le temps de vous connecter aux arbres et de leur exprimer votre reconnaissance, ils s'adresseront à vous. Ils vous transmettront des messages d'amour réconfortants. Ces messages peuvent surgir sous forme de rêves, d'inspiration ou de synchronicité. Mais vous pouvez aussi reconnaître intuitivement leurs messages en sentant, tout simplement, que vous comprenez ce qu'ils vous disent. L'information que vous recevez et la façon dont elle est délivrée est unique, à la fois pour vous et pour l'arbre auquel vous choisissez de vous connecter. Lorsque vous travaillerez avec les arbres grâce à cet oracle, vous vous habituerez à leur signature énergétique et à leurs messages. Vous rendre dans la nature et vous connecter à eux sous leur forme physique, en vous promenant dans un parc ou le long d'un sentier, peut faciliter le lien qui vous unit personnellement à eux et vous permettre d'entendre leurs messages. Ces cartes sont imprégnées de cosmologie celtique. Cette cosmologie honore les cycles des saisons et enseigne la vénération pour toutes les créatures vivantes et le respect pour notre terre-mère. Puisse-t-elle vous aider à vous connecter à la sagesse du monde merveilleux et sacré des arbres. Moi, je trouve ce texte très beau. Donc, le livret, il est très bien fait. Donc, au début, vous avez un sommaire. Ensuite, vous avez une petite introduction. De nouveau, par contre, je ne vais pas vous la lire. Ça parle beaucoup, en fait, de cet alphabet qui est très bien détaillé, donc l'alphabet celtique. Sur chaque carte, en fait, vous avez la lettre correspondante. Vous avez les tableaux. Ensuite, on vous propose de trouver votre arbre de naissance. Alors ça, j'ai trouvé sympa. Par rapport à votre date de naissance, il y a un arbre qui vous correspond. Par exemple, pour moi qui suis née au mois de mai, c'est le chêne.
donc pour chaque période. C'est super bien expliqué. Et en plus, ils expliquent à la fois pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Et il y a mon chat qui arrive derrière. Ça a failli faire aboyer tous les chiens. Ensuite, vous avez une partie d'explication pour lire les cartes. Donc, on vous parle aussi des associations qu'il va y avoir avec des déesses, avec des totems. Il est vraiment hyper complet. On vous explique comment utiliser les cartes. On vous montre plusieurs tirages, donc le passé, présent, futur, qu'on connaît tous très bien. On vous parle du tirage de l'arbre celtique. Alors, celui-là, j'aime beaucoup. En fait, en première carte en bas, ce qui représente les racines de l'arbre, c'est les éléments dont on a besoin, les éléments dont on n'a peut-être pas conscience, ce qui se cache au cœur de la situation, ce que veut transmettre l'aspect inconscient de votre nature à propos de la situation. Ensuite, en carte numéro 2, c'est le tronc de l'arbre, et ça représente ce dont nous sommes conscients, les pensées conscientes et les sentiments sur la situation et la place de notre ego. Ensuite, la carte numéro 3, juste au-dessus, c'est les branches et les feuilles qui représentent l'influence supérieure issue de vos soutiens spirituels et de votre moi supérieur. Et enfin, la quatrième carte qui représente la floraison et le fruit, ça représente le résultat. Voilà, moi j'aime beaucoup ce tirage, d'ailleurs je vais le tester sûrement juste après cette vidéo. Et après, vous avez le tirage de la croix celtique. Et ensuite, les messages des cartes. Alors, tout à la fin du livret, aussi, vous avez toute une partie sur la roue de l'année et sur les fêtes. Donc, les solstices, Imbolc, vous avez un petit texte pour chaque. Donc, ça sert à rien que je vous montre, de toute façon, on ne voit pas trop. Et le message des cartes, on fera un exemple tout à l'heure, on tirera une petite carte à la fin. Maintenant, voyons voir les cartes. J'espère que ça fera bien la mise au point. En fait, je ne peux pas filmer avec mon téléphone, j'ai un problème avec mon écran que je viens de faire changer. Du coup, je suis obligée de prendre ma vieille tablette. Alors, on a des tranches dorées. On a un beau dos, d'un beau vert. Moi, j'aime beaucoup. Et un symbole. Je ne sais pas s'il correspond à quelque chose, si c'est de la géométrie sacrée. Si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Je serais intéressée de le savoir. Donc, je vais vous faire découvrir maintenant les cartes. Donc, vous voyez, d'habitude, moi, j'aime pas les jeux qui ont un bord. Mais alors, je trouve que celui-là, il va particulièrement bien avec les dessins, quoi. Ça fait un joli cadre. Donc vous avez la lettre... Qu'est-ce qu'elle me fait, Faya, là? Je sais pas ce qu'ils font. Bon, c'est pas grave, je continue. Ils ont dû voir une souris ou un truc comme ça. Là, vous avez la lettre de l'alphabet celtique, le nom de l'arbre. Elles sont trop belles. J'essaye de vous cacher les chiens, mais vous avez bien vu qu'ils sont incrustés dans la vidéo. J'ai pas remis les cartes dans l'ordre, mais c'est pas grave, hein, c'est un oracle. J'adore les couleurs. Ouais, vous avez Faya du coup qui squatte là. D'habitude on l'entend aboyer, aujourd'hui elle vient squatter la vidéo. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Après, je suis désolée, hein, j'aurais pu couper la vidéo et refaire, mais j'aime pas. Après, je sais plus ce que j'ai dit, je trouve que c'est plus naturel. Donc, vous avez l'habitude dans mes vidéos, à chaque fois, vous avez un chien qui aboie ou un truc qui vient s'incruster comme ça. Oh, c'est la carte que j'ai tirée, la mort, la renaissance. Très bel univers, hein, ce jeu. Il en reste deux. Voilà, ça par exemple c'est ma carte de naissance, le chêne.
Si par exemple vous avez envie que je vous partage votre carte de naissance, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous partager votre carte avec le petit texte. Alors on va tirer une petite carte. Je vais demander quel message est-ce que je dois vous partager aujourd'hui. Alors, c'est la carte de l'être. Donc, je vais me référer au petit livret. Et je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Alors, vous avez la petite représentation de la carte avec le chiffre, le nom de l'arbre. Ça, je crois que ça doit être peut-être la divinité, mais je ne suis pas sûre de moi. Et en dessous, on a les totems associés, les clés, les textes anciens, ou les livres de sorts et le serpent. Ensuite, en divinité guide, on nous parle de la grande déesse sous toutes ses formes, les archanges, Merlin, Thoth, les maîtres ascensionnés, les ancêtres. Les lettres, c'est Io, PH, et classe, l'arbre chef. Parce que du coup, il y a tout un classement dans les arbres. Les mots-clés, savoir et enseignement ancien, génération, livre, texte et parchemin, conseil du passé, sagesse, ancêtre et lignée. Le être, phagos, alors ça doit être peut-être plutôt le nom en latin ou autre, j'ai pas regardé dans le livret, je suis désolée, je sais pas. Est associé au gardien de la sagesse ancienne. Les enseignements du passé sont conservés dans les objets anciens, les lieux de pouvoir spécifiques et les écrits. Il nous offre des conseils issus du passé et soutient les nouvelles intuitions et ressources. Il est la mère des bois et la reine du roi chêne. Il fournit l'ancrage et une base solide pour toutes les aires d'études ou de recherche. Il est intéressant de noter que être se dit bitch en anglais et que bitch et book ont les mêmes origines. Son nogame est phagos, il est représenté par le crochet et ses lettres sont io ou ph. Ah, alors je crois qu'en fait, ici et en haut du livret, c'est le nom de la lettre celtique. Bon, après, il y a quand même pas mal de textes. Je vais peut-être pas tout lire. On nous parle du être dans une interprétation. On a aussi un paragraphe sur la carte inversée et le message. Donc moi, je vais vous lire le message. Je suis le être, je suis un livre et j'encourage l'apprentissage de la sagesse. Peut-être êtes-vous impliqué dans un projet ou une entreprise qui vous demandera une année entière d'investissement. Vous traverserez donc un cycle complet. Cela peut vouloir dire que vous devez suivre des cours ou entreprendre des études supérieures avec un objectif ou un diplôme particulier en tête. Ou que vous avez une idée pour un projet de recherche ou l'écriture d'un livre. Quel que soit votre projet, celui-ci peut réclamer de gros efforts pour être mené à bien. Je vous encourage à travailler et à être assidu et vous conjure de ne pas abandonner. Il s'agit ici du travail de votre âme. J'incarne votre base solide et votre détermination. Connectez-vous à moi afin que je vous transmette force et conseils. Je suis la voix de vos ancêtres qui inspire vos rêves, intentions et désirs. Je suis l'évolution qui rêve à travers vous. Je suis votre ascendance qui partage sa sagesse avec vous. Ne vous laissez pas décourager. Quels sont vos besoins? Exprimez ces besoins et demandez notre aide, car nous sommes les anciens et sommes ici pour vous soutenir. Ben moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que ça fait 3 mois que j'ai ouvert mon entreprise pour accompagner les personnes vers un mieux-être, notamment par les soins énergétiques. Et je fais une formation en naturopathie que je dois terminer dans les 6-8 mois à venir. Donc ouais, ça me parle pas mal. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos où je vous présenterai d'autres jeux de ma collection. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.